Speedo Angel en français. Hey les enfants, vous savez où est-ce qu'on va aujourd'hui? Oui. Tu aimes bien ma casquette, toi? Oui. Ok les enfants, vous êtes prêts pour l'aquarium? On va y voir plein de créatures marines. Oui. Alors, 3, 2, 1, allons-y! Six petits écoliers assis dans le bus jaune, excités par cette nouvelle aventure. Le trajet est plaisant, une belle journée commence, on s'en va à l'aquarium. Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'aquarium. Je suis votre guide et voici Pingoui le pingouin. Il va m'aider à vous guider dans cette aventure. Ok, vous pouvez suivre Pingoui. Entrez. Regardez tous ces poissons danser et chuchoter. Il y en a des gros et des petits. Les hippocampes font la paire pour se montrer qu'ils s'aiment. Ils dansent et jouent toute la journée. Glou, glou. Venez les amis, allons voir la suite. Regardez le plongeur, c'est un sacré blagueur. Regardons-le danser et s'amuser. La pieuvre met un chapeau, regardez comme elle se balance. Ses jambes gigotent partout. Balance. Vous dansez vraiment très bien. Ok, venez les amis, il y a encore d'autres aventures qui nous attendent. Et voici les méduses, elles sont plutôt rigolotes. On dirait de gelée colorée. Miam, miam. Celle-ci, c'est leur maîtresse. Elle leur apprend des choses pour qu'ils puissent connaître le monde. Oh oui. Quelle belle méduse. Hé, hey, les amis, allons à la piscine tactile. Oui. Oh, regardez, la piscine tactile. Oui. Regardez tous ces poissons, regardez le poisson rouge. Allez-y, laissez-le s'approcher. Il veut être ton ami avant la fin de la journée. Allez, fais-lui un sourire. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Une étoile là-bas. Tout va bien, bébé Louis, c'est une étoile de mer. Et voilà, on va la remettre à l'eau maintenant. C'est le moment de sortir. Il y a encore plein d'animaux à voir. Les pingouins sont comme vous, ils sont drôles et aiment jouer. Pingoui adore nager avec ses amis. Regardez les dauphins sauter, ils sont gentils et rigolos. Comptons combien ils sont. Un, deux, trois. Oui. Hey les enfants, alors est-ce que c'était cool l'aquarium? Oui. Oh. Je crois que nous avons un nouvel élève dans ce bus. Ok, 3, 2, 1, allons-y. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir. Cinq cannes à pêche. Bébé Louis, laisse-moi t'aider. Et je le remets dans l'eau. Pourquoi
tu l'as laissé partir? Car je veux qu'il puisse grandir pour être un grand poisson. C'est ce que souhaite un petit poisson. J'ai attrapé un petit crabe, 6, 7, 8, 9, 10, et je le remets dans l'eau. Léo, pourquoi tu as fait ça? Car je veux qu'il retourne jouer avec les autres poissons. Regardez, ils sont partout. Viens, on échange. J'ai attrapé un escargot, 6, 7, 8, 9, 10, et je le remets dans l'eau. Mais où va l'escargot? Il retourne au fond de l'eau, jouer avec ses amis. Regardez, ils sont partout. Ai-je attrapé quelque chose? 6, 7, 8, 9, 10, ce sont encore des mauvaises herbes. Je veux attraper un poisson avant la fin de la journée. Bébé Louis, essaye encore, tu vas finir par y arriver. J'ai attrapé un poisson, 6, 7, 8, 9, 10, et je le remets dans l'eau. Pourquoi tu l'as laissé partir? Car je veux qu'il puisse grandir pour être un grand poisson. C'est ce dont rêvent tous les poissons. Avec ta couleur rouge ou bien jaune, vert ou bleu, je vais faire un jus rien que pour toi. Du vert bien sûr, du vert pour moi. Du vert bien sûr, du vert pour moi. Et maintenant trouve le fruit vert et laisse tous les autres pour moi. Cette pomme est verte. Jus de fruits juste pour toi. Quelle est ta couleur préférée? Laisse-moi te montrer et choisis. Est-ce le rouge, le jaune, le vert ou le bleu? Je peux te faire le jus de fruits que tu veux. Du bleu, bien sûr, du bleu pour moi. Du bleu, bien sûr, du bleu pour moi. Ok, très bien. Excellent choix, laisse-moi le faire pour toi. Ces myrtilles sont bleues. Et un jus de fruits rien que pour toi. Quelle est ta couleur préférée? Faire un jus avec ta couleur, rouge ou bien jaune, vert ou bleu. Je vais faire un jus.
et laisse tous les autres pour moi. La couleur des fraises est rouge. Un bon jus de fruits juste pour toi. Quelle est ta couleur préférée? Nous allons faire un jeu avec ta couleur. Rouge ou bien jaune, vert ou bleu. Nous allons faire un jeu rien que pour toi. Le jaune, oui, le jaune pour moi. Le jaune, oui, le jaune pour moi. Et maintenant, trouve le fruit jaune. Maman va s'en occuper. Ces bananes sont jaunes. Nous avons fait un jus rien que pour toi. Quelle est ta couleur préférée? Nous allons faire un jus avec ta couleur. Rouge ou bien jaune, vert ou bleu. Nous allons faire un jus rien que pour toi. Orange, bien sûr, orange pour moi. Orange, bien sûr, orange pour moi. Et maintenant, trouve le fruit orange. Et papa va s'en occuper. Cet orange est orange. Nous avons fait un jus rien que pour toi. Nous avons tous notre jus de fruits. Et nous connaissons les couleurs. Nous sommes tous au supermarché pour acheter de quoi manger. Les légumes et les fruits, c'est très bon. Je veux aller les chercher comme un grand. Est-ce que vous pouvez aller me chercher les légumes? Oui. C'est vraiment délicieux. Ça ressemble à des tout petits arbres. C'est très bon pour moi. Si vous savez ce que c'est, prenez-en pour moi. Trouvé ! C'est des brocolis ! C'est bien ça ! Oui, c'est ça ! Oui ! La pomme. Nous sommes tous au supermarché pour acheter de quoi manger. Les légumes et les fruits, c'est très bon. Je veux aller les chercher comme un grand. Prêts les enfants? Ce fruit est rond aussi, c'est délicieux et bon. Toi. Nous pouvons les presser et faire un jus de fruits. Si vous savez ce que c'est, prenez-en pour moi. Oh. C'est une orange. Oui. Ça, c'est une pastèque, mon grand. Celui-là est orange aussi. Et ça pousse sous la terre.
Des carottes? C'est bien ça! Tous au supermarché pour acheter de quoi manger. Les légumes et les fruits, c'est très bon. Je vais aller les chercher comme un grand. Prêts les enfants? Celui-ci sent très fort. Son odeur peut vous faire pleurer. Il est bon pour la santé. Si vous savez ce que c'est, prenez-en un pour moi. C'est un oignon. C'est ça. Bien joué. Nous sommes tous au supermarché pour acheter de quoi manger. Les légumes et les fruits, c'est très bon. Nous allons aider pour faire les courses. D'abord, il faut s'assurer de qui est à la porte, bébé Louis. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ta maman. On connaît maman. Maman est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le connais. Toc, toc, tic, tac, toc, toc, toc. Toc, toc, tic, tac, toc, toc, toc. Toc, toc, tic, tac, toc, toc, toc. Je te vois. Bonjour, maman. Bonjour mon chéri. Rappelle-toi, n'ouvre jamais aux étrangers. Non, non, non. Il y a quelqu'un à la porte, maman. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ton papa. Je connais papa. Papa est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le connais. Rappelle-toi qu'il faut toujours prévenir maman et papa quand il y a un étranger à la porte. Quelqu'un est à la porte, papa. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ton grand-père. Je connais grand-père. Grand-père est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le connais. Toc, toc, tiki, toc, 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 toc. Toc, toc, tiki, toc, toc. Chérie, rappelle-toi que tu ne dois jamais ouvrir la porte à des étrangers. Jamais. Ok, super. Toc, toc, qui est là? Qui est à la porte? C'est ta grand-mère. Je connais grand-mère. Grand-mère est à la porte. Connais-tu le mot de passe? Oui, je le connais. Je sais pas. Ah. Papa, il ne faut pas ouvrir la porte aux étrangers. Oh, c'est juste le livreur de pizza pour le repas de ce soir. Vous avez fait un bon travail de dire à maman et papa qu'il y avait un étranger à la porte. Oui. On s'est vraiment bien amusé aujourd'hui. Et en plus, nous avons appris ce qu'il fallait faire quand il y avait quelqu'un à la porte. Et on a de la pizza. Je vais.
Ok, je vais t'apprendre quelque chose. Le travail en équipe. Est-ce que tu es prêt pour une vraie partie de football? Oui, 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 oui.